ou récompensés. Nous voici à Belcastel, un splendide village médiéval dominé par un château fort dont les origines remontent au XIe siècle. Belcastel, c'est l'histoire d'une résurrection. Le fait que le site, avec ses jolies ruelles, ses toitures de l'eau, ses vieilles bâtisses, soit labellisé plus beau village de France, apparaît aujourd'hui comme une évidence. Mais il y a 30 ans, c'était loin d'être le cas. Dans les années 1980, les maisons étaient en ruine. Toutes les maisons qui étaient au-dessus du château étaient toutes en ruine. Alors quand on dit en ruine, c'était quoi? Les murs tombés? C'était un tas de pierres, les murs étaient tombés, on a tout repris. Et on a commencé à reprendre tout cela à partir, j'ai été élu en 83, et en 1986, on a commencé les restaurations des maisons. Quand vous avez l'idée de sauver, on peut dire, le village Belcastel, comment c'est accueilli? Robert, vous étiez là, vous? Au début, on a dit quoi? Il est un peu fou? Tout le monde était quand même un peu surpris de le voir se lancer dans une opération aussi importante, disons. Parce que la restauration des maisons, c'est quand même pas facile. Et il faut avoir les moyens, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'au départ, pour faire cette escalade, c'est les premiers travaux que j'ai faits. J'ai eu des soucis d'argent. J'ai pas peur de le dire, j'ai eu des soucis d'argent. Et on a attaqué la première maison. Cette maison appartenait à la commune. Et il faut savoir que cette maison a été restaurée par le lycée technique d'Aubain, qui m'a formé des maçons, des plâtriers, des couvreurs et des charpentiers. C'est quand même extraordinaire. Il y avait quand même à un moment donné entre 15 et 16 élèves qui travaillaient là pendant 2 ans. Et vous savez, ces jeunes maintenant, qui ont certainement la trentaine, sont fiers de venir là, vers voir ce qu'ils ont fait. Et je dis, c'est un exemple. Voilà comment on peut sauver nos villages. Il faut croire que Belcastel a tant de charme qu'on ne peut lui résister. Car bien avant que Claude et ses amis ne se lancent dans cette aventure, un homme avait déjà œuvré ici. Son nom, Fernand Pouillon, un grand architecte français de l'après-guerre qui, en 1973, eut le coup de foudre pour un château en piteux état. Si le château n'avait pas été refait, peut-être personne ne serait intéressé à Belcastel. Pouillon, il a sauvé son château, il a sauvé Belcastel aussi, à travers les gens qui sont passés après lui. Aujourd'hui, on ne soupçonne pas dans quel état était le château quand Fernand Pouillon l'achète. C'était quoi le château à ce moment-là? C'était un tas de ruines comme le village. Il n'y avait plus rien. Il restait qu'une tour, une demi-tour, et tout le reste était démoli. Et quand on le voit, on se dit qu'il fallait que Pouillon soit courageux pour s'attaquer à une restauration comme celle-là. Courageux et audacieux, car Fernand Pouillon ira même jusqu'à creuser une improbable piscine au pied de la forteresse. Après son décès, le château aurait pu à nouveau dépérir. Il n'en est rien grâce aux propriétaires actuels, Heidi et Nicolas. Ce couple d'Américains qui possède des galeries d'art à New York et à Las Vegas a acheté le château il y a plus de 10 ans. Ce sont eux qui ont ouvert le lieu au public. On peut y découvrir d'étonnantes collections. Voilà Henri II. Sans doute l'une des plus belles pièces de ma collection d'armures. C'est une copie de l'original qui se trouve au musée du Louvre, réalisée au XIXe siècle par le célèbre orfèvre Christophe de Paris. Cette œuvre d'art représente la bataille de Pompée avec des détails d'une incroyable beauté. Cette armure de parade est faite de cuivre, d'or et d'argent. On a eu beaucoup de chance de la trouver car elle était dans une boutique d'accessoires de cinéma à New York. Nous avons également une collection de très vieux casques datant du 7e siècle. Mais la plupart des armures sont du 15e et du 16e. Et pourquoi aimez-vous autant les armures? Elles protègent le château. Heidi avait dès le début une idée en tête. Jouer avec les époques, provoquer des rencontres inattendues. Heidi, ça ce n'est pas une vieille armure. C'est une œuvre contemporaine d'un artiste français. Je l'adore. C'est un véritable génie. Il a récemment exposé des œuvres monumentales à Paris. Il travaille dans le monde entier. Comment s'appelle-t-il?
Pierre Mater. Pour moi, cette juxtaposition d'art médiéval et d'art contemporain est très intéressante. Les visiteurs peuvent s'imprégner à la fois de l'architecture, des œuvres d'art et de la beauté du panorama. Admirer de belles choses, simplement comme dans une galerie d'art. Racontez-moi, comment a commencé cette histoire entre vous et ce château ? Mon mari, qui avait toujours rêvé d'avoir un château, est tombé sur une photo de Belcastel sur Internet. Nous sommes donc venus en France pour le voir et on a eu un tel coup de foudre qu'on a immédiatement versé un acompte pour signer l'acte de vente. Vous avez été les premiers à ouvrir ce château au public. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Au départ, l'idée était de créer un endroit qui soutiendrait des galeries aux États-Unis. Les artistes que nous exposons ici participent également à des expositions à New York. En fait, il y a une connexion directe entre l'Aveyron, Belcastel et New York. J'adorerais vivre ici à la belle saison, au printemps. Mais l'hiver, c'est une vraie joie de venir ici. Et chaque fois que j'en repars, je pleure. Cet endroit me manque. Belcastel, ville franche de Rouergue, Najac. On vient dans cette partie de l'Aveyron parce que l'on est attiré par la beauté des sites, la puissance des paysages. Mais très vite, le visiteur curieux comprend que le plus intéressant, ce sont ces femmes et ces hommes qui font vivre ces endroits, leur offrent une modernité respectueuse du passé. Ils aiment leur patrimoine avec tant de cœur, et ce cœur-là n'est pas de pierre.